je peux vous montrer deux petites multis. Je vous montre vite fait, au pire elle sera scindée en deux vidéos, c'est pas très grave. Donc là les amis, on est sur le portail de chaîne, perso 7Design créatif. C'est un step up 242-243 gemmes pour obtenir le perso, offert hein, tout simplement, dès que vous avez fait vos 10 multis. Vous avez toujours le pourcentage pour avoir des objets tels que des gemmes d'équipement nécessaires pour vos équipements et tout ça, donc c'est quand même très très cool. Je vous conseille de faire déjà les 31 gemmes, donc 2 multis pour 31 gemmes, c'est pas cher. Au niveau du portail en question, qu'est-ce que nous avons? On a, eh bien, Ice-T, taux augmenté, donc ça c'est bien pour la vidéo avec Hawk du coup. Mono qui fait son grand retour, qui est sympa, caverne des cristaux, voilà. Chaîne très très bon qui attaque en AO, qui fait de gros dégâts, qui a eu un gros up. Elisabeth Hawk que je ne possède toujours pas, après bon là c'est des SSR un petit peu dégueulasse. Cependant Lilia Bleu fait son grand retour mais n'est pas en taux augmenté. Valentine pareil je ne le possède pas. Et Roxy je ne la possède pas, j'ai juste fait deux multi la dernière fois et j'ai rien eu. Donc c'est parti, je conseille vous pour laisser un maximum de pouces bleus. Et j'espère que vous aussi vous aurez de la luck si vous invoquez sur ce portail. Je sais absolument pas ce qu'on peut avoir dessus. Enfin j'aimerais beaucoup avoir les personnages que j'ai envie, surtout Shen, parce que vous savez les 1 an arrive très 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 bientôt. Oh peut-être nécessaire. Oh le soleil. Oh pour une fois que j'ai de la chance. Oh si tu peux me donner Shen ou Valentine que je ne possède pas, ou un doublon de Lilia bleu, ou un Elisabeth Hawk bleu toute pétée, bah, vu que je la possède pas je la veux. Ah ouais, ouais. Déjà minimum 2 SSR garantis dans cette multi. J'ai une certaine hype. J'ai une certaine hype ça. Ça c'est la puissance des pouces bleus les amis. Et Scanner. Oh là 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 là. Allez s'il te plaît. S'il te plaît, un truc de ouf. Genre chaîne sur la première multi, ça serait oufissime. Et je garde mes gemmes pour plus tard. Parce que j'avoue que je suis tenté de faire un step complet, mais après j'ai plus de gemmes. Même si le PVP il arrive et tout, tu vois. Voilà, deux SSR garantis dans cette multi. À moins qu'il y ait un craquage aussi. Taizo. Bon bah Osef il est spéciste depuis 50 ans. Oh Roxy je l'avais pas. Voilà Roxy pourquoi pas. C'était pas le perso que je voulais le plus, mais pour la collection pourquoi pas. C'est ce perso waifu, elle est sympa sans plus. Elle était bien sur sur un mode de jeu quand il était sorti à l'époque avec Roxy. Donc je testerai un petit peu cette unité pour voir ce que ça vaut. Elisabeth toujours très très cool mais déjà spéciste. Ok petit Guild Thunder. Ouais, petit soldat là, je sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié les noms. Tu sais quand tu joues à la version japonaise, tu te rappelles plus Maracas, Alion. Ok, encore Taizo, mais donc c'est un peu chiant ça Taizo à l'infini là. Mais attendez, je suis abonné au Taizo ou quoi? Les abonnés c'est des Taizo ou quoi? Oh je l'avais pas Valentine. Oh lolo. On n'a pas chaîne. Mais là, là, pour moi, c'est goldé en deux multi, en une multi, oui, une multi. On a réussi à avoir deux persos 7Design créatifs que je ne possédais pas. Et donc, la dernière, je sais pas si on aura chaîne, mais c'est très cool. C'est très très cool. Valentine, je la voulais depuis 40 ans. Ah, c'est pas sûr. Je pense peut-être qu'on va skip. Faut voir l'animation, comment ça se débrouille. On se fait pas bolos. C'est moitié-moitié. Est-ce qu'on va réussir à le fracasser? Ou en mode le SR se transforme en SSR, je sais pas. Allez vas-y. Montre-moi la puissance. Ah bah c'est Albion qui aura la puissance. Bon c'est pas grave, de toute façon 3 doublons SR ce qui est peu, mais bon c'est pas très grave. Mais quand même je suis très content. Je n'avais pas ces deux persos. Valentine, ça fait 40 ans que je la voulais. Bon, Elisabeth Hawk, j'ai l'impression que c'est une légende oubliée. Elle n'existera plus sur ma partie, je l'aurai jamais. Mais non, trop content. Trop content. Valentine, ça va être cool pour le PVP, pour tester aussi. Dans la caverne des cristaux, tu peux juste utiliser elle et un autre perso et c'est goldé. Il me manque très peu de persos en vrai maintenant. Zarathras, bah, je l'ai pas eu. Zeldris, c'est pareil. Gloxina se retrouve en perso Quan Chop. Pour le moment, c'est rotation à 10, mais sinon, ça sera à 7 quand ça sera en rotation. Gloxina vert, je possède pas. King Abram, c'est pour les 100 meilleurs joueurs classés sur le mois du PVP stuff. Donc Shen, je sais pas si je dois encore invoquer. Zeldris, ticket SSR partie 2 comme Zarathras. Et ensuite c'est des persos dites un petit peu événementiels. À part le King Rouge,
que je ne possède pas. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là sur cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu déjà, eh bien, sur cette invocation. Et peut-être qu'elle sera scindée du coup sur la deuxième partie, dédiée donc au niveau du Hog Boss. Merci à tous de l'avoir suivi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en partant, commenter, partager, vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le notif et il y a des rumeurs comme quoi sdgc.fr peut-être renaîtra de ses cendres, on ne sait pas. Voilà, des bisous, salut tout le monde.